À cette époque, quand quelqu'un était malade, c'était difficile de se faire soigner. Eh oui, je dois dire que dans le temps, quand mon père est tombé malade, c'était très difficile parce que dans le temps, il n'y avait pas la médication aussi. Puis des fois, mon père, des fois, ne voulait pas aller se faire soigner. C'était une autre étape qu'à un moment donné, il fallait s'y aller à l'hôpital quand il était devenu plus malade. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, il restait quelques jours à l'hôpital. Après, il y a eu des traitements qu'ils ont donnés à l'hôpital. Puis après, il s'en va. Quand il revenait, il était bien. Êtes-vous à l'aise de parler de la maladie de votre père? Non. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Tandis que la famille, les autres, c'est tabou. Si je nomme le mot mental, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas prendre tout ça. Non. Mais moi, c'est juste que c'est la vérité aussi. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas mettre ça dans un tiroir. Je veux dire, moi, je suis consciente. Moi aussi, je le suis aussi. Parce que dans ma famille, c'est génétique. Toute la famille, antécédents, ils sont tous des gens dépressifs, de maladies mentales. Différemment, là, mais dans la famille, c'est tout ça. Et à l'époque, c'était très mal vu. Oui, pas mal, parce que là, il cachait ça, il disait pas ça. Si quelqu'un venait, ben, ton père est parti pour quelques jours, tu sais, mais il disait pas le mot. C'est sûr que dans ce temps-là, s'il y a eu, comme la thérapie, la médication, mon père aurait été mieux, il n'aurait pas eu à se déplacer là-bas, puis avoir des souffrances que les traitements qu'il faisait, là. Ça, c'était terrible, là. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai mes soeurs qui disaient, c'était un traitement. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. C'est des genres de chocs qu'ils donnaient. Ça, quand ils mettaient ça aidait le patient à plus avoir les idées suicidaires. C'est ça qu'ils faisaient. Mais c'était pas la bonne solution. Moi, je n'ai pas eu à faire ça. Parce que moi, dans le temps, la médication est arrivée. Puis faire des thérapies, c'est ça que j'ai fait. Puis je m'en suis sortie. Malgré qu'il y ait des tendances encore, que je devienne dépressive. Fait que c'est que ta famille, là, c'est tout le monde qui l'a été, là. Même mon frère jumeau, que quand il est allé à Las Vegas, c'était dur pour lui. Puis sa famille, tout seul là-bas, avec sa femme. Fait que lui aussi, il a trouvé ça difficile là-bas au début. Puis c'est ça. Fait qu'il a travaillé, puis à un moment donné, il m'a arrêté. Puis après, ben ça l'a déprimé, est revenu encore. Là, on était comme deux jumeaux. Une était diabétique, l'autre l'était aussi. Fait que c'est des choses que je savais pas. Puis mon frère, côté santé mentale, puis je le savais pas, puis il était comme ça. Fait que c'est toutes les choses qui sont arrivées quand il est parti. Fait qu'il a fait que c'est ça, sa santé mentale, étant diabétique, il ne se faisait pas soigner. Fait qu'il a eu pas mal. Là. Puis j'ai su que la dernière fois, quand j'ai parlé au téléphone, il y a eu une opération à cœur ouvert. Ça a bien été, mais c'est sûr que quand j'ai vu les photos de mon frère, c'était plus mon frère. C'est comme si je le voyais à 80 ans, il n'en revenait pas, là, tu sais. Mon frère, il est venu fort, puis tu sais, il paraissait bien, mais je regarde les photos avant, je regarde celle-là, c'est difficile à le regarder. Ouais. À l'époque, les périodes où votre père était hospitalisé, comment ça se passait à la maison? À la maison, je ne peux pas dire, personne ne parlait, personne ne demandait rien. Tu sais, ben moi, je demandais, moi, j'étais curieux. Après, pourquoi il n'est pas là? Ben, il est parti à l'hôpital pour quelques jours, tu sais. C'était comme ça. Moi, je l'ai connu plus dépressif que mes soeurs l'ont connu d'un autre côté, des débuts. Fait que moi, c'est ça, c'était difficile parce que avoir le contact avec mon père dépressif, c'était difficile. C'était bien. Pareil, là. On ne pouvait pas. J'arrivais pas à comprendre parce que ma mère n'expliquait pas le vrai côté. C'était tabou, ces choses-là. Fait que. Oui. Probablement votre mère comprenait pas non plus tout ce qui Ouais. arrivait. Il y avait ça aussi, où elle pensait que c'était pas important que l'enfant cherche ce que ton père avait. C'est comme une de mes sœurs disait quand je parlais de ça, que dans la famille, c'est tout génétique. Donc, côté mental, on l'a tout. Elle n'a jamais accepté, puis
Pour elle, c'était certain que les autres aussi n'ont jamais arrivé à en parler. Mais moi, j'ai dit, il faut en parler. C'est ça, la réalité. Puis, c'est ça, il y a eu des bons moments. Puis, il y a eu des mauvais moments. Fait que, je garde les meilleurs souvenirs, c'est ça que les mauvais. Ils sont bien, pour ceux, ça va. Mais on peut vivre avec ça. Je veux dire, la dépression, tu peux l'avoir. Puis, tu peux bien vivre quand même avec ça. Mm-hmm. Ouais.